Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez me voir habillée pareil, mais c'est parce que j'ai tourné deux vidéos ce matin. Donc celle-ci je voulais absolument vous la mettre aujourd'hui. J'ai reçu en fait trois courriers, je vous en montrerai deux parce que le troisième je le montrerai dans une vidéo spéciale parce que c'est une Audi enveloppe qui concerne Christine. On a fait un petit échange toutes les deux. Ce que je vais faire, je vais juste vous montrer en fin de vidéo sa cocarde puisque c'est pour le défi. Comme le défi s'arrête aujourd'hui, je voulais vous la montrer quand même. Et je ferai une autre vidéo à part où je vous montrerai sa Audi d'enveloppe parce qu'elle est de toute beauté. Alors hier, j'ai reçu un courrier de Céline, de ma petite Célinette qui m'a envoyé une super jolie pocket letter. Non mais regardez-moi ça. Alors, elle m'a envoyé sa pocket letter en remerciement de mon concours puisqu'elle a gagné mon concours. Mais c'est super gentil Céline, mais ça me gêne parce que en fait tu méritais, enfin je veux dire vous méritiez toutes de gagner quelque chose à mon concours, mais je veux dire c'est le fruit de votre travail et puis c'est grâce à vous si ma chaîne grandit. Donc du coup ça m'a un petit peu gênée parce que tu as beaucoup travaillé sur cette pocket letter et ben voilà, ça me touche, ça me gêne en même temps quoi. Mais merci beaucoup Céline, je te fais des gros bisous Céline parce que franchement, c'est super gentil de ta part. Alors, donc, je vous montre, elle m'a fait une jolie pocket letter gorgeous. Non, mais regardez, elle me l'avait dit lors de mon live qu'elle m'avait fait une pocket letter. Regardez comme elle est jolie. Oh, celle-ci, elle est de toute beauté. Je l'ai commandée, je sais plus si je l'ai commandée chez Craftelier. J'attends une commande. Regardez comme elle est belle. Oh, elle est de toute beauté. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait ta pochette, Céline, ou si tu les achètes. Si tu les achètes, peux-tu me dire où tu les achètes? Parce que moi, j'en cherche justement pour en faire des pocket letters. Et je ne sais pas où on trouve ce type de pochette. Ici, vous voyez, elle m'a mis un petit porte-clé avec deux petits pompons. Gorgeous pour dire merci. Et en fait, derrière chaque petit ATC, elle m'a mis des gorgeous pour te dire merci. C'est très, très, très gentil. Elle m'a fait en fait comme des petites ATC, vous voyez derrière. Et à chaque fois, elle m'a mis des petites choses derrière. C'est vraiment trop gentil quoi. C'est ma première pocket letter, j'en ai jamais eu. Et franchement, ben, merci beaucoup Céline. Merci. Et donc, vous voyez derrière, elle m'a mis des petits goodies. Vous voyez, je ne vais pas tous les sortir parce que je ne vais pas avoir le temps de vous faire. En plus, j'ai remarqué que quand je fais des vidéos trop longues, bah, YouTube ne veut pas me les prendre. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, j'ai déjà fait des vidéos d'une demi-heure. Et ça m'a tout pris. Mais enfin, bon. Donc, avec, elle m'avait envoyé sa jolie petite carte. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Avec du magnifique papier derrière. Il est magnifique ton papier, Céline. Je ne sais pas si ça vient de chez Action, mais il est magnifique. Oh, ta petite gorgeous est trop belle. Je suis tellement heureuse quand vous m'envoyez des gorgeous. Oh, regardez. Et elle m'a mis son petit mot à l'intérieur. Un grand merci pour ton concours. Tu es très gentille, abordable avec les internautes. Quel que soit notre niveau de scrap, tu as toujours un petit mot gentil. Et c'est très appréciable. Bah oui, chacun a son niveau. Chacun fait de très jolies choses. Moi, j'ai commencé. Ce que je faisais, c'était archi nul. Hein. Quand je revois mes créations du début, je me dis... Enfin voilà, pour nous c'est joli, mais c'est vrai qu'après au fil des années, enfin même des mois qu'on scrape, on se dit ah ben oui, c'est là qu'on voit qu'on s'améliore. Elle m'a également, alors là j'étais super contente parce que ma vidéo porte ses fruits, elle m'a mis sa petite carte de visite, alors là j'étais trop contente. Merci beaucoup Céline d'avoir suivi mon petit, oh, elle est magnifique sa petite carte, regardez. Elle m'a mis sa petite carte de visite. Et donc au dos, comme je l'avais demandé, elle m'a mis donc son nom, sa date de naissance, son adresse, les couleurs qu'elle aimait, donc le violet, le marron, le bleu, le rose, le gris. Et le style qu'elle aime bien, c'est romantique, shabby, enfantin et vintage. Voilà, tout ça sur sa petite carte comme elle me l'a demandé. Et en plus, dans l'envoi de Christine, dans la Audi d'enveloppe, vous verrez, elle m'a fait, Christine, une petite boîte où je vais pouvoir mettre, vous verrez, mes petites cartes de visite. Je suis trop contente. J'ai hâte de vous montrer la Audi d'enveloppe parce que vous allez voir, elle est de toute beauté. Donc, Céline, donc voilà pour ton envoi. Je te fais des gros bisous, je te remercie. Et je voulais vous montrer aussi un petit courrier que j'ai reçu de la part de Sophie de la chaîne Sophie Scrap. Alors Sophie, je te remercie énormément du fond du cœur. Tu as regardé mon live dimanche dernier et
Tu as vu que je galérais avec les gorgeous pour faire les petites gorgeous comme tu as mis dans tes envois ATC. Les petites gorgeous en plastique fou, ben oui, moi j'arrive pas à les coloriser. Je sais pas comment tu fais. Moi, ça glisse en fait sur le plastique et ça colore pas. Alors, elle m'a envoyé des modèles qu'elle a fait elle avant les cuirs pour que je regarde ce que ça donne. Vous voyez, regardez. Elle est d'une gentillesse, Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Alors, ça fait un contre-jour. Voilà. Vous voyez? Et j'ai plus qu'en fait à les mettre au four et après, ça va me faire mes toutes petites gorgeuses comme ça que je vais pouvoir mettre à un porte-clés ou un bracelet. Là, je l'ai mis au bracelet de Mélanie. J'étais trop, trop, trop contente. Je vais vous montrer à mon ami deux autres. Allez, Sophie, elle est d'une gentillesse. Je vais te renvoyer un petit quelque chose, Sophie. Je vais tout essayer de vous faire des petites choses, mais là je rentre dans la saison et ça va être un petit peu compliqué. Regardez celle-ci comme elle est jolie. Je ne sais pas si vous allez mieux voir comme ça. Voilà. Et en fait, bah, il ne faut pas que je colorie toute la robe. En fait, il faut juste que je fasse les détails. Et en fait, je crois que c'est ça, Sophie. Mon défaut, c'est que je colorie en fait tout en entier, en fait. Que toi, tu fais juste les petits détails. Et je pense que c'est pour ça que j'y arrive pas. Et à la cuisson, bah, du coup, ça rend rien du tout. Ça fait des œufs. Et mes tampons, je pense qu'il faut que je prenne la taille au-dessus. Parce que les miens sont trop petits, je pense. Et du coup, on ne voit pas les détails. Et avec, elle m'a mis des petits pompons. Comme ceci. Et des petits anneaux. Qui viennent d'une petite boutique qu'elle a, je pense, près de chez elle. Et qui s'appelle Au Grain de Beauté. C'est une petite boutique qui est à Brive et qui fait des bijoux fantaisie. Et donc, on peut y trouver toutes ces petites choses-là, ces tout petits pompons comme ça. Je pense qu'elle doit faire plein de petits accessoires pour les bijoux, pour faire plein de choses de création. Voilà. Et elle m'a mis tout ça, regardez, dans une jolie petite pochette qu'elle a fait. Voilà, avec des petits soufflets, des petits compartiments à l'intérieur, vous voyez. Une autre petite pochette derrière où elle m'a mis son petit mot. Ça, je le garde pour moi, le petit mot. Voilà. Donc, merci beaucoup, Sophie. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Merci, merci infiniment. Et pour terminer, je vais juste vous montrer la cocarde de Christine, que Christine B m'a envoyée pour mon défi, puisqu'il s'arrête aujourd'hui. Donc, je voulais quand même la montrer. Ça fait partie de sa Lodi d'enveloppe. Elle m'avait mis le défi. Sa Lodi d'enveloppe, c'est un échange qu'on a fait ensemble. Donc, je vous montrerai la Lodi d'enveloppe dans une vidéo que je vais tourner certainement demain. Je vous la posterai en début de semaine, si j'y arrive. Et donc, là, je voulais vous montrer sa cocarde. Regardez, elle est de toute beauté. Magnifique, regardez. Regardez le travail de dentelle, elle a des dies dentelle, je pense, qui sont magnifiques. J'essaye d'en trouver là en ce moment sur Wish. Il y en a, hein, faut que je cherche, faut que je fouine. Elle a mis là une petite fleur comme ça, ses petites plumes. Petite fleur en... C'est du foil, ça, je pense. Vous voyez? Elle a mis ses petites perles. Alors ça, c'est magnifique aussi, ça, ses petites perles comme ça. Donc voilà. Alors Christine, pour le défi, tu as le numéro, il me semble, 18. Tu as le numéro 18, Christine, hein, pour le défi. Donc voilà. Donc je vous la remonte. Donc voilà, merci beaucoup ma Christine. Merci, merci, merci. Je t'envoyais des petits mails de toute manière, ne t'inquiète pas. Je montre la pocket letter. La Lodi d'enveloppe, je la montre. Je la montre en début de semaine. Ça c'est qui m'a envoyé. Ça c'est qui m'a envoyé ça. Attends, je regarde parce que j'ai plein de courriers en fait. Ah oui, c'est Célina. J'ai Célina aussi, j'ai un autre courrier. C'est Célina qui m'a envoyé. Alors qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé, Célina, déjà? Bah, Célina m'a envoyé en fait une petite carte comme ça. Ah, attendez, je regarde. Je passe mon truc à Célina. Donc Célina, elle m'a envoyé, regardez, une petite carte. Merci beaucoup Célina. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je te vois sur Instagram. Voyez, elle m'a envoyé une petite carte. Pour ne vous soulever ici, il y a une petite gorgeous comme ça. Voilà. À l'intérieur, vous ouvrez, ça se présente comme ceci. Voyez.
Et ici, elle avait mis des petites choses à l'intérieur. Alors, attendez ce qu'elle a là. C'est tombé. Alors, elle m'a mis des petites figurines comme ceci. Voilà. Ça, elle m'en a mis 4. Elle m'a mis des petites... des petites licornes comme ceci. Magnifique, c'est pareil, elle m'en a mis pas mal. Ça, je les avais pas. Merci beaucoup, Céline. C'est d'une gentillesse. Ici, elle m'a mis plein de petits papillons en découpe. Voilà. Vous voyez peut-être pas très bien ce que j'ai laissé mes volets fermés, mais il était tellement chaud que... Et ici, alors là, je ne vais pas vous les ouvrir parce que tout est emmêlé, il faut que je démêle tout. Elle m'a envoyé plein de petits mots, de petits sentiments qu'elle a fait elle-même. Céline, je te remercie infiniment parce que je sais le travail que c'est de faire tout ça. Et merci beaucoup, merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Céline. C'était un petit envoi plaisir qu'elle m'a fait. Céline, je crois, elle a fait une gorgeuse, une... Céline, elle a dû m'envoyer, mais elle est où ça? J'ai pas ta coquette, Céline. Elle a dû m'envoyer une cocarde, Céline, mais je la trouve pas. Alors attendez, je reviens. Ah non, c'est celle-ci. Alors, je me suis trompée, les filles de cocarde. Alors, autant pour moi. Ça, c'est pas la cocarde de Christine. C'est la cocarde, autant pour moi, de Céline. Je me suis trompée, les filles. Alors, autant pour moi, je suis toute honteuse. Ça, c'est la cocarde de Céline. Et celle-ci, c'est celle de Kiki. Voilà, je me suis trompée. Regardez les filles. Voilà, ça c'est celle de Kiki, que Kiki m'a envoyée avec la loudie d'enveloppe. Voilà. Et celle-ci, c'est celle de Céline. Je me suis trompée, désolée les filles. Ce matin, c'est un peu le d'avoir. J'avais toutes mes cocardes qui étaient là, je ne savais plus qui était à qui. Donc celle-ci, c'est celle de Céline. Tu as le numéro 17, Céline. Et celle-ci, c'est celle de Kiki. Voilà. Elle est de toute beauté, celle de Kiki. Regardez, elle a une petite fille au milieu. Elle a mis des petites perles, toutes ses petites fleurs. Elles sont toujours très complètes, ces cocardes à Kiki. Donc, voilà. Et celle de Céline. Voilà. Tu me diras où tu as eu tes dentelles comme ça, Céline. Voilà. Alors, autant pour moi, les filles. Je m'excuse, je me suis trompée, je suis désolée. Ça se fait pas, je sais, mais là, en ce moment, je suis un petit peu à l'ouest avec la fatigue et tout. Donc, ne m'en voulez pas, les filles. Hein? Donc, voilà, donc je vous fais des gros bisous. Voilà pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bisous, les filles.